On va choisir les jouets dans le magazine pour faire la lettre au Père Noël. Oui. Alors je veux un train, un hélicoptère, de la pâte à modeler, un Buzz l'éclair, un vélo pour les grands, un réveil, une cabane dans l'arbre, un skateboard, des feutres à paillettes, un monsieur bâtard, un mignon qui s'allume. Bonjour les parents. Ah, cette fameuse liste au Père Noël qui n'en finit plus. J'y connais quelque chose. Ne désespérez pas, il y a toujours des solutions. Tu sais Hugo, la hotte du Père Noël, elle est vraiment trop petite, hein, donc si elle craque, t'auras rien. Non, non, vaut mieux sélectionner tes préférés, hein, crois-moi. Hein. Non, 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 le Père Noël, il est là-bas. Monsieur Hutt, tu connais rien, toi. Ils ont réponse à tout, ces enfants. Non, mais tu sais, le Père Noël, il a mal au dos, hein. Il peut pas tout porter. Mais le Père Noël, il a des lutins pour l'aider. Mais il n'en démord pas. Si vraiment vous n'y arrivez pas, sortez l'artillerie lourde. Ah, viens voir, Hugo, le Père Noël, il a répondu à ta lettre. Viens voir. Cher Hugo. Oh, génial. J'ai bien reçu ta lettre et je t'en remercie. Comme convenu, je passerai déposer tes cadeaux au pied de ton sapin dans la nuit du 24 au 25 décembre. Malheureusement, certains cadeaux sont en rupture de stock. Ah, je te l'avais dit, hein. Les enfants, ils se ruent tous sur les mêmes cadeaux. Comme le Buzz l'éclair, désolé, le train, aïe aïe aïe, le vélo pour les grands et la cabane dans le jardin. Ouais, tout ce qui est cher, en fait, tu sais, hein. Ils veulent tous la même chose, les gamins, tous. Vous pouvez aussi le faire culpabiliser. Non, mais tu vas finir par ruiner le Père Noël, tu sais. Si bien qu'il aura plus d'argent pour aller du pôle Nord jusqu'ici, mais c'est tellement triste. Mais oui, les parents, Noël, c'est super aussi. Car la menace du Père Noël marche très bien. Attention, hein, si tu ne manges pas ton assiette, le Père Noël ne passera pas. Le Père Noël n'apporte des cadeaux qu'aux enfants sages, tu sais. Attention, Hugo, sinon j'appelle le Père Noël sur le champ, hein. Allô, Père Noël ? Je t'en prie, je vais arrêter. Non, excusez-moi, j'ai dû faire une erreur. J'adore l'avant Noël. Par contre, après, ça craint, hein. Mais n'y pensons pas. Mais le meilleur dans Noël, c'est de voir son enfant heureux, les yeux pleins d'étoiles. Noël avec un enfant n'a plus le même sens, ni la même saveur, c'est juste magique.